Salut les Rickens et bienvenue dans ce tutoriel de Vianney, beau papa. C'est parti! Alors, nous allons tout de suite démarrer avec l'intro de ce morceau. Sur cette intro, il y aura donc 4 accords. Le mi mineur, le do majeur, le ré majeur et de nouveau le mi mineur. Ok, alors, pour commencer, nous allons donc faire un mi mineur. Donc le pouce sur l'accord de mi et l'index sur la corde de ré, et nous allons jouer les deux cordes en même temps, comme ceci. Et puis nous allons jouer la corde de sol. Donc vous pouvez déjà essayer de jouer ces deux premières parties ensemble, ces deux premiers coups ensemble. Donc c'est... Ensuite, on va aller positionner le petit doigt ici en troisième case de la corde de si. Alors, voilà qui va déjà clôturer la petite mélodie sur le premier accord. Donc ça va donner ceci. Et puis on va frapper avec sa main sur les deux cordes ici, donc celle de sol et celle de si. Je le refais une fois. Ensuite, nous allons passer au deuxième accord, un accord de do majeur qui est, je pense, bien connu chez tout le monde. Donc le premier doigt ici sur la corde si, le deuxième sur la corde de ré et le troisième ici sur la corde la. Ok, nous allons jouer avec le pouce la deuxième corde, ici celle-ci, et avec le majeur, l'avant-dernière corde, donc la corde si. En même temps, c'est parti comme ça. Ok, et puis nous allons relâcher l'index ici et jouer de nouveau la corde de si toute seule. Et puis nous allons frapper les cordes. Voilà déjà pour les deux premiers accords. Je vais le répéter une fois tout doucement pour être sûr que vous ayez bien compris. Donc, le mi, le do, j'enlève le doigt et je frappe. Tout d'un coup, et puis tout naturellement on arrive sur un ré. On va jouer avec le pouce la corde ré et avec l'index la corde de sol en même temps. Ce sont les seules notes que l'on va jouer sur l'accord de ré. Ensuite on va directement passer sur un accord de mi, mais on ne va même pas ici mettre ses doigts en mi mineur, on va carrément enlever la main droite, la main gauche parce qu'on n'en a plus besoin. Et alors on va jouer la corde de ré, de sol, pardon, la corde de si et la corde de mi. Et là on est déjà arrivé à la moitié de cette intro. Je vais vous la rejouer une fois tout doucement. Donc mi, do, ré, je ne joue que ceci sur ré et puis... Ok, tout en même temps. Et voilà pour la première partie de cette intro. Pour la deuxième partie, ça va être exactement la même chose. Il y a une seule note qui va changer et elle se trouve sur le dernier accord. Je vous montre ça tout de suite. Donc le début, c'est la même chose. Et c'est ici que ça change, on va prendre le petit doigt qu'on va aller mettre en quatrième case de la corde ré. On va jouer cette note là et puis on joue la corde de si à vide et la corde mi à vide. Voilà, voilà, je vous le refais une fois, en tout cas je vous fais cette deuxième partie. Donc ça fait ceci. Ok. Donc, je vous refais toute l'intro doucement une fois et puis un peu plus vite. Mmh.
Ok, je vous joue tout une fois, un peu plus vite. Alors, pour le couplet 1, nous allons avoir deux parties. Voici déjà la première. Nous aurons un accord demi mineur. On va jouer avec le pouce l'accord demi, là, ici tout au-dessus. Et avec ces deux doigts-là, donc l'index et le majeur, nous allons jouer l'accord de sol et l'accord de si. Le tout en même temps. Voilà le premier accord. Le deuxième, c'est un la mineur que l'on connaît normalement tous. On joue l'accord d'ici de la. Et puis toujours l'accord d'ici de sol et de si. Voilà, deuxième accord. Le troisième, c'est comme un do, sauf qu'on va le déplacer un ton plus aigu. Donc ça devient un ré. Un ré donc, qui va être ré suspendu 4, qui porte un nom un peu particulier, je vous l'accorde. Mais qui n'a rien de compliqué. Alors ce qu'on va faire en plus ici, c'est qu'avec l'index, on va pousser sur les deux dernières cordes, attention, ça c'est un peu plus compliqué. Et on va donc jouer avec le pouce de la corde ici, la corde là, jusqu'à la dernière. Comme ceci. Voilà, un petit accord tout à fait joli. Donc ça c'est le troisième. Le quatrième, c'est de nouveau A mi mineur qu'on va jouer alors. Pouce ici, les deux doigts toujours au même endroit. Et on joue le tout. Voilà, ça c'est la première partie du premier couplet. Je vous joue donc maintenant les accords de la deuxième partie du couplet. Donc le premier c'est toujours le même, c'est un mi mineur. Le deuxième c'est un do majeur, donc ici on va utiliser l'accord de la et toujours les deux cordes ici en dessous. Et puis de nouveau le ré suspendu du 4 avec le doigt ici qui pousse sur les deux cordes aiguës. Ensuite on va réaliser un harmonique, c'est-à-dire que l'on va poser son doigt sur la corde, mais légèrement, uniquement l'effleurer entre la 7e et la 8e case, donc évidemment à partir du capot, ici donc, ça va donner ceci. Voilà, je vais le rejouer une fois. Voilà. Et puis le dernier accord, c'est un mi mineur que l'on va jouer comme ça. Donc on va jouer toutes les cordes, sauf ici la petite corde mi. Je vous rejoue cette petite partie, donc mi mineur. Do, ré suspendu 4, harmonique ici en 7e case, corde de sol et mi mineur. Je vous rejoue donc tout le premier couplet en entier. Voilà, donc c'est tout pour le premier couplet. Nous allons maintenant voir le pré-refrain. Au niveau des accords du pré-refrain, on a sensiblement les mêmes accords, c'est-à-dire A mi mineur, A do suspendu 4, A mi mineur, et puis pour la deuxième partie, mi mineur, do, la mineur 7, donc c'est comme un la mineur, mais sans ici l'annulaire. Et puis de nouveau un ré suspendu du 4 et A mi mineur. Donc au niveau de la rythmique, on va voir quelque chose de particulier ici à la main droite, mais qui va se répéter sur chaque accord. Donc on va d'abord jouer la basse en première corde, et ensuite on va jouer les deux cordes ici de sol et de si, puis on va taper et on va rejouer les deux cordes de sol et de si. Ensuite on laisse sonner, on rejoue les cordes de sol et de si. On refrappe et on les rejoue. Donc si je joue tout d'un coup, ça va faire ceci. Ok. Et alors cette petite rythmique va se répéter sur chaque accord. Ici, je la joue sur le mi mineur. Puis sur le do. Puis sur le ré. Et de nouveau sur le mi. J'enchaîne sur la deuxième partie du pré-refrain, mi mineur, do,
La mineur 7, mais alors on va faire juste une fois, donc on va faire ceci. On va enchaîner directement sur le Do suspens du 4. Et on va jouer le dernier accord, le Mi mineur, comme ceci. Donc première corde, corde de Sol, de Si, et puis demi, la petite dernière. Ok, je vais vous le rejouer une fois, tout doucement, comme ceci. Et voilà, c'est tout déjà pour le pré-refrain. Entraînez-vous bien parce qu'en réalité, ce n'est pas si facile de jouer avec les petits schlacks, les petits frappés comme ça, voilà. Mais une fois que vous aurez la technique, je pense que ça ira tout seul. Nous allons déjà passer sur la dernière partie de ce morceau qui est le refrain. Le refrain, il va se jouer avec des accords. Moi, personnellement, je vais prendre un onglet pour le jouer. Et on y va tout de suite avec les accords. Donc le premier, c'est un Mi mineur. Le deuxième, c'est un Do. Le troisième, c'est un Ré. Et le quatrième, c'est de nouveau un Mi mineur. Comme vous le voyez, on ne change pas une équipe qui gagne, puisque c'est déjà les mêmes accords que la partie d'avant. Après, ça va changer un petit peu. On va passer sur un Do directement, à la mineur. La mineur 7 même. Ensuite, on va passer sur cet accord de Ré suspens du 4, de nouveau on le connaît. Et ici on va passer sur un petit Si mineur, qu'on va jouer d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire avec l'index ici en corde La, donc deuxième corde partant du haut, deuxième case, et avec ici l'annulaire en troisième case sur la corde de Si, donc l'avant-dernière. Et on va jouer uniquement les quatre cordes du milieu. Et le dernier accord, c'est de nouveau un Mi mineur. Alors au niveau de la rythmique, on va faire sur chaque accord, sauf à la fin, on va le voir plus tard, bas, bas, haut, bas, haut. Donc ça va se jouer comme ça. Ok, ça c'était sur le Mi. Maintenant je vais enchaîner les quatre premiers accords. Mi mineur, Do, Ré, suspens du 4, Mi mineur. Donc ça va faire ceci. Et je vais les rejouer encore une fois un peu plus vite et je vais enchaîner avec la suite des accords que, ne l'oubliez pas, vous pouvez retrouver sur notre site internet. Je pense que ce sera d'ailleurs beaucoup plus facile si vous suivez avec la tablature et en mettant cette vidéo sur pause quand vous en avez besoin. Donc, je vous rejoue l'entièreté du refrain. Donc, on a Mi mineur, Do, Ré, Do, La mineur 7, Ré, Si, Mi, Mi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur la fin? Donc, il y a un petit changement sur le dernier Ré, le dernier Si et le dernier Mi. Sur le dernier Ré, j'ai fait Bas, Bas, Haut. Puis j'enchaîne sur le Si, Bas, Bas, Haut. Et sur le Mi, Bas, Bas. Donc je vous rejoue ces trois petits accords, l'un à la suite de l'autre, sans parler. Ça va faire ceci. Bas. Donc bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas. Et pour terminer, je vous joue tout à la vitesse normale. Voilà, avec ça vous avez tout pour le morceau de Vianney, puisqu'on a fait l'intro pour commencer. Je pense que c'est la partie la plus gaie à jouer. Ensuite, on avait le couplet A, qui est aussi très facile, le pré-refrain, et puis le refrain. Voilà! Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Ciao !